Salut à tous et à toutes les amis, comment ça va? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo customisation. Cette fois-ci on va custom la nouvelle voiture du DLC toujours du casino. Oui parce que j'ai acheté le véhicule comme je vous ai dit sur la présente vidéo de la customisation Wheezy vers la fin à mon avis. Donc le petit s'affiche en haut hein, pour si vous voulez accéder. Donc je disais que oui j'ai acheté les véhicules le jour de la sortie du DLC bien sûr, mais je les ai pas encore custom. Je voulais faire les garder pour custom avec vous en vidéo. Alors cette voiture, comme vous avez bien vu en bas, c'est la Obey 8F Tractor, donc sportif hein, bien sûr. Je vais vous emmener sur Legendary parce que elle, comparée à la Wheezy et la Caracara, sont sur Legendary. Elle est ici. Oh, je l'ai pris en or parce qu'en rose. Voilà. Elle coûte 718 000 dollars si vous la voulez. Go aller la customiser. Comme ça, avec la customisation, je vous montre à quoi elle ressemble, hein, bien sûr. Après, vous faites ce que vous voulez, vos véhicules. Une fois que vous l'avez acheté, vous la customisez comme vous voulez. Mais au moins, vous savez qu'est-ce qu'il y a avant de la customiser. Alors, blindage à fond, ça à fond. On change pas. Alors, on a quoi? C'est en carbone. Ça change pas grand chose dans les deux roues. Par chaque arrière. Alors, juste voir ça change ça. Ok, bon on va pas. Il n'y a pas beaucoup de choses. Ok. On va rigoler hein. Ok. Et ben vous savez quoi, je vais laisser les originaux. Non, ovale, mais. Calandre. On dirait un peu une Ford à l'avant, alors que non, c'est une usine. Ouais, pourquoi pas. Wow. Ça agressif. À l'agressif de l'avant. D'accord. Par contre, je sais pas quoi me mettre. Ah oui, donc c'est soit ça, soit avec le truc à l'avant, soit en carbone, ou le truc sportif. Ouais, donc soit ça, soit. Ouais, l'agressif. Hein. Mode sportif, capot, allez hop. Oh là là là, par contre avec ma télé, ça fait bizarre. Je sais pas si vous avez l'effet vous aussi. Sur YouTube, je suis pas sûr. D'accord, on va mettre ça en... On va pas chercher à comprendre. Par contre je vois que. Désolé parce que il y avait un truc qui s'est affiché, je voyais rien. Alors, à mon avis, on va la mettre en rouge, blanche. À mon avis, le vrai passé. Allez, un motif. Ok, donc, on a quoi on a... Mon Dieu, c'est que j'ai l'impression qu'il est inversé. En blanche, en bande obey, motif obey. Ah oui, ah oui, ah oui. On voit pas trop parce que c'est noir, mais on arrive à différencier quand même le obey. 8F. en jaune, rue urbaine. Et pas la Fast and Furious. Non, pas vraiment. Ouais. Bon, elles ont mis des motifs, certains motifs Rockstar, bof quoi. Et voilà, Val de Grâce. Ah bah ça, c'est si tu veux vraiment être dans le chic, c'est sûr que tu peux le mettre ça. Mais non, je mets juste une bande blanche. Encore ces bandes-là, c'est classique, je veux dire. Bof. Peinture principale, on va pas changer une couleur qui gagne. Hein. Vous savez quelle couleur sont mes présents de véhicules comme vous avez vu, si vous avez vu les présents de vidéos. En haut et à droite, le petit s'affiche sur le customisation dit Caracara, si vous n'avez pas vu. Comment je les custom. Voilà. Et au tout début, le petit hein, de la Easy. Blanc givre. Couleur secondaire métallisée blanc givre. Ah oui, 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 c'est ici que ça change. Ah oui. Et à la... Oh, et les coutures. Oui, bah oui. Allez, toi. Hop. Ah, qu'est-ce qu'on a là, donc. Une petite prise d'air. En carbone. Ah oui. Le petit aileron. Ah, on a l'aileron. Bah, le petit tuning, quoi, clairement. On va mettre ça. Ça fait un peu kéké, je vous l'avoue. Mais je m'en fous un peu. Je sais, je suis Jackie Tuning, les gens, mais. Alors, petit aileron. Ok, je vais peut-être un aileron qui passe. Pas des gros ailerons, hein.
Oh, c'est déjà trop tard. Ah, c'est tout. Oh, mais ça. Bon, bah écoutez. Type de jante. Il passe les jantes, mais je vais regarder si en sportif il les a. Je regarde. Sinon, je laisse le classique les jantes. Oui, j'essaie de trouver un équivalent. Le Cosmos. Ah, pas vraiment. Hein. Peut-être les Cosmos à la rigueur. Ou les Dash VIP. Ouais, non, on va laisser tel quel. Bah oui, du coup, c'est ça. Parce que ça a moins à payer. Hein. Ah. Ah oui. Ah oui, non, mais il y a vraiment de pas de déflecteur. Ça, on voit de l'intérieur ou pas? Je vois pas quoi ça change les déflecteurs, mais ouais, pourquoi pas. Choqué. Oh, elle est énervée, elle est énervée. On est d'accord, elle est énervée. Ah oui, elle est énervée, hein. Ça s'entend. Je vous montre vite fait comment installer les phares, mais... Non, stylé, stylé. Elle est énervée, hein. Ouais, elle rentre dans la catégorie de sportif. Alors, si vous entendez un peu ma manette, je suis désolé. Hein. J'ai pas de micro qui cache les bruits. Mais bon. Ouais, un peu trop énervé. Ouf. J'ai de la chance. Non, mais franchement, elle est bien. Je la valide totalement. non, franchement, j'aime bien. Ça sera peut-être pas ma préférée des tout. En sportif, je pense que ça sera l'une de mes préférées, bien sûr. Ah bah, en tout cas, elle rentre dans mon top 5 des préférées, de voitures préférées. En sportif, bien sûr, en termes sportifs, hein, je précise. Si vous voulez, je pourrais faire une vidéo de mes top véhicules que je préfère le plus, au moins, sur GTA. C'est vous qui voyez. Dites-le moi dans les commentaires. Bref, cette vidéo fut touche à sa fin. Hein. On a vite testé vite fait la voiture. Vitesse max. Je vois pas. Je ne pas à voir, c'est tout petit. En tout cas, elle va assez vite. C'est tout pour cette vidéo, les gens. Du coup, je te mets de cette Obey 8F Drafter. Elle drift bien, en tout cas. Ouais, il faut bien la contrôler. Pour qu'on soit avec le bruit quand même de l'heure. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et à commenter aussi. Et n'oubliez pas surtout la cloche pour pas rater les prochaines customisations des véhicules. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.